Bienvenue au Salon du Livre. Le 12 juin dernier, s'est tenue au château d'Asnières-sur-Seine la 23e édition de la Journée du Livre. Des débats, des ateliers et de nombreuses animations sont venues ponctuer cette journée de rencontres avec les auteurs. Ce salon est aussi l'occasion de remettre le prix de la ville qui récompense une œuvre littéraire qui a trait au voyage. Cette année, le lauréat est Jean-Pierre Brouillot avec « Aller voir ailleurs, dans les pas d'un voyageur aveugle ». Cette année, 4 prix littéraires jeunesse ont également été décernés. Le jury de ces différents prix est composé des collégiens agnérois, des membres des clubs de lecture des médiathèques, ainsi que des membres du conseil municipal des collégiens. Aujourd'hui, on s'est réunis pour remettre pour la 5e fois le prix du coup de cœur jeunesse. C'est en fait quelque chose qui consiste à... On avait une sélection de livres et il fallait les lire et dire lequel était notre préféré au cours d'un vote. Récompense. J'ai eu la chance de rencontrer les jurys, ils sont débordants d'enthousiasme, ils ont fait une lecture, ils sont arrivés déguisés, c'était incroyablement touchant et c'est vraiment une très très belle expérience. Et ici c'est vrai que c'est super bien organisé parce qu'on a rencontré les collégiens avant, ils sont hyper investis, très passionnés, donc vraiment c'était super, pour moi c'est un prix très chouette.